Tu t'es décidé à revenir enfin parmi nous? T'es prêt à faire un vrai boulot de flic? Vas-y. On a un tuyau sur la voiture que Sarah Allen a vue avant l'enlèvement. Tu veux parler de la voiture de la beauté fatale avec son gros couteau? Tout est pas perdu alors. Alors, je t'écoute. On nous signale une voiture qui correspond à la description aux abords du centre-ville, près de Grèce Cathédrale. Alors on y va. Merci mon vieux. Docteur Allen a décrit une voiture de sport blanche européenne. On retrouve la voiture et on découvrira peut-être qui est la fille au couteau. Ce serait déjà pas mal. La voilà. Ouais, ça correspond. Fais gaffe, t'es trop prête à l'heure. Laisse du champ, et la perds pas. Si il fait ça, t'es pire que ma mère. Accélère un peu, elle est en train de nous semer. Compris, mamie. Je deviens bien, pourquoi? Parce que là, j'ai l'impression de plus la voir. T'es vraiment un grand comique, Jones. Ouais, je sais, ça fait vieille école, mais tu sais, moi, j'aime bien voir la voiture que je suis en train de filer. T'es en train d'essayer de m'apprendre à conduire, là? Non, je t'apprends à faire une filature. Ok, ok. Mais si on lui fait peur, on vérifie sa plaque. Voilà, du bon boulot à l'ancienne. Là, on parle le même langage. Centrale, ici 40 Alpha 30. Vous pouvez vérifier cette plaque. 8BR8139. Bien reçu. Ouais, je vous envoie une photo aussi. Le suspect était assez loin, mais essayez de faire de votre mieux. Merci. Entendu. Eh ben, on peut dire que j'apprends des trucs avec toi. T'inquiète, il y aura une interro surprise plus tard. Alpha 30, vous êtes là? Voie 9, centrale. Le véhicule appartient à une femme de 89 ans de l'Idaho. Eh ben, je crois que mamie s'est fait tirer sa voiture. L'analyse de la photo via la base de données est infructueuse. Essayez de voir ce que vous dit Interpol. J'ai comme un pressentiment. Entendu. Alpha 30, ici le central. On a un retour sur la base d'Interpol. C'est une citoyenne américaine d'origine égyptienne, Lila Sharan. Lila Sharan? Merde, c'est du lourd. Merci, central. Terminé. Quoi, tu la connais? Elle a une sacrée réputation. Et pas que pour son physique. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur elle? C'est une tueuse professionnelle. Elle a été formée en Afrique. Elle se fout complètement de la cause pour laquelle elle se bat, tant qu'elle est bien payée. Ouais, bah moi, je veux bien la payer pour... C'est pas ton genre, Jones. À moins que t'aimes les filles qui te plantent dès le premier soir. Tu sais, mon cher, en vie, il n'y a qu'un salopard qui a de quoi se payer ses services. Jericho. Elle prend la direction de l'autoroute. Alors nous aussi. Ça y est, t'abîmes encore la voiture. C'est plus fort que moi, c'est mon style. Si tu ralentis encore un peu, on va la perdre. Elle doit pas nous repérer. Il n'y a pas de risque, mon pote. Limite, on n'est plus dans la même ville. John, tu fais quoi là, mec? Elle est là! J'y arriverai pas. Quoi? Bon, là c'est clair, on va t'emmener à l'hôpital. T'as vraiment pas l'air bien, mon pote. Non, non, ça va. Hé, hey, faut la laisser partir. Allez, fais-moi confiance. Au moins, on sait qui on cherche. On la retrouvera, j'en suis sûr. Dans mes rêves...